10h07. Asseyez-vous. Je vous ai commandé un café. Vous avez eu un problème de métro, c'est ça? Ça arrive à tout le monde. Vous écrivez pour qui déjà? La 16e, en fait. Désolé, j'ai beaucoup demandé pour ça. D'accord. Merci déjà de m'avoir accordé de votre temps. On peut y aller quand vous voulez. Je vous écoute. Alors, monsieur Cassadi? Je peux m'appeler Dan. Très bien. Alors, Dan, La Route Scellée, votre dernier roman est très rapidement devenu un best-seller, comme tous les autres, en fait. Et comment vous pouvez justifier ce succès? J'essaye de mettre de plus en plus de moi-même dans les œuvres, pour que ce soit personnel et que le lecteur y voit quelque chose. Un peu comme qu'il s'identifie avec le personnage, en fait. Pas nécessairement, non. Seulement, je veux qu'il puisse me voir réellement à travers mes œuvres. Comme plus qu'un auteur, un proche, un ami. Je vois. Mais après 8 romans parus, vous avez encore des sujets sur lesquels écrire? Bien sûr. J'essaie d'innover à chaque fois. Avec La Route Scellée, j'ai voulu décrire un voyage à la fois dans le pays et l'intérieur. J'ai choisi d'aborder le polar d'une façon plus intime. Et on sent que vous avez parfaitement réussi à renouveler votre genre. Ouais. Merci. On m'a dit beaucoup de bien de votre café, j'espère qu'il sera à la hauteur. Vous disiez donc? Ah oui, je disais que vous avez parfaitement réussi à renouveler votre café. Merci, j'espère que ce sera aussi le cas pour les prochains romans. Le prochain roman? Pourriez-vous m'en parler un peu plus? Rien n'est sûr, mais je pense avoir trouvé ma muse, même si je ne vous en dirai pas plus pour l'instant. J'ai été bloqué à certains moments. Mais je pense avoir trouvé une bonne piste. Et bloqué, vous avez dit bloqué. C'était le syndrome de la page blanche? C'est ça. Ça ne m'était jamais arrivé avant, mais je pense avoir retrouvé l'inspiration. Et vous la trouvez comment, cette inspiration? Eh bien, je dirais que c'est un processus complexe. Dans tous les cas, j'ai un rapport très personnel à la musique. Vous en jouez? Bien évidemment, oui, du piano, même si j'essaie de ne pas être trop prétentieux. Ça m'a beaucoup aidé à retrouver l'inspiration, à me motiver dans mon travail. Pour mon dernier roman, ça m'a permis de retrouver le goût de la recherche. C'est comme ça que j'ai fait mes armes, en me documentant beaucoup, en m'inspirant. C'est la partie que j'aime le plus dans mon travail. C'est pour ça que j'ai choisi d'écrire des polars. Et vous pensez que vous pouvez écrire un autre genre, en fait? Non, je suis bien trop fasciné par les déviances humaines. Excusez-moi. Monsieur Cassadi? C'est moi. Je suis vraiment désolé, mais j'adore vos livres, sincèrement. Je vous remercie, ça me touche beaucoup. Et je suis désolé parce qu'on doit vous le dire tout le temps, mais vraiment, ils ont joué un rôle tellement important dans ma vie et... Écoutez, je suis pressé, mais si vous voulez m'accompagner quelques minutes... Ouais, si ça vous gêne pas, ouais. Je viens. Vous fumez? Non, merci. Vos romans, vous savez, c'est incroyable, il y a quelque chose, je saurais pas dire quoi, mais on a l'impression que vous comprenez parfaitement la psychologie de vos personnages, que ce soit les tueurs ou les victimes, c'est vraiment incroyable. En effet, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Et ça se sent, sincèrement. Je les ai lus à une période vraiment importante dans ma vie et ils ont joué un rôle clé pour moi, vraiment. Merci, ça me touche beaucoup. Ça a éveillé une vraie vocation, vous savez, c'est le seul roman qui m'a fait ça. Une vocation de tueur? Non, bien sûr que non. Non, mais une vocation d'auteur. Alors bien sûr, j'ai pas votre talent, mais si j'avais ne serait-ce que 1/10 de votre précision, ça serait déjà incroyable. Merci beaucoup. Je peux vous tutoyer? Ouais, bien sûr. On m'a toujours dit que j'avais du talent, et je me suis dit que si ça pouvait apporter quelque chose de positif aux gens, il fallait que je le fasse. C'est exactement ça, on se sent meilleur après avoir lu chacun de vos romans. Pourtant, mes personnages ne sont pas tous sains.
Non, mais c'est ce qui les rend intéressants, sincèrement. C'est parce qu'ils sont humains avec tout ce que ça comporte d'imperfection. Au fait, ça t'intéresse de savoir de quoi parle mon nouveau roman ? Un traître, comme ta petite taille le laissait deviner.